décollage imminent. C'est des hélices de 30 ans. On va les arrêter après, non? Si les arrêtes, on tombe. On n'a pas le choix. On est sous l'air. Attention au décollage, nous sommes dans un bombardier. Cricri est inquiet. Thomas aussi. Il n'a jamais pris un avion avec une hélice. Enfin, je suppose qu'il y a une hélice de l'autre côté aussi. Attention au décollage. Nous nous rendons en bout de piste. Voilà, sur le point de quitter Toronto, dans l'Ontario, pour Québec, ville de Québec au Canada. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons décoller. Enfin, des fois. Alors Tom vient de dire des conneries, il dit qu'on y va par la route. L'aéroport est déjà loin, il a peut-être raison. Nous n'avons pas encore rejoint le bout de la piste. Ben moi je vous laisse, je descends. Et voilà. Moment fatidique. Non, on n'est pas arrivé. Est en train de se cramponner à son livre. Quand est-ce qu'on passe? Thomas est inquiet. Et on est parti. On va ouvrir, il y a quelqu'un qui sonne. Mais non, il n'y a pas quelqu'un qui sonne. On est parti. C'est Arnaud pour vous? Commandant, évidemment, le deuxième va pouvoir pousser ce fauteuil de devant. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut pousser les fauteuils de devant chacun pour venir au décollage. Vite, hein. Oui, il était sorti de sa décolle, alors il s'est dit j'y vais. Waouh. Voilà. La ville de Toronto, sous l'avion, l'aéroport tout en bas. Et c'est parti au Québec. Regarde Lionel ce que tu rates. Trop fort. Regarde comme c'est beau. Et voilà, nous voilà partis. Rendez-vous au Québec.